Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés, nos heureux mariés sont là. Nous allons continuer notre programme et nous allons nous apprêter. On prie les mariés de s'asseoir. Nous vous prions de prendre place. Et tout le monde s'assoit. Merci. Nous allons nous préparer parce que bientôt nous allons écouter la parole. Et la suite du programme sera notre docteur Kama qui va nous prêcher de la part du Seigneur. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 55, verset 10, ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et qui n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté, et accomplis mes desseins. Nous allons, bien aimés, nous mettre debout pour prier afin de recevoir cette parole avec joie. Prions. Éternel Dieu, Papa, voici l'heure où nous allons t'écouter au travers de ton serviteur, le docteur Kama. Papa, ta parole est la même. Toi qui ne dors ni ne somnole, toi qui ne change pas, Père, laisse que cette parole prenne place entièrement dans nos vies et que ça produise du bon fruit, Seigneur, selon ta volonté. Père, dispose nos cœurs afin de recevoir cette parole avec joie. Et que cette parole nous guide, que cette parole nous fasse du bien. Nous avons prié ainsi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Acclamons pour la parole de Dieu. Docteur. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Gloire au Seigneur. Est-ce que la chorale peut chanter un cantique sur le mariage avant que nous ne commençons la parole de Dieu? Ne vous en faites pas, je ne m'abuse. Oh,
Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité, une mauvaise chose. Deux valent mieux qu'un. C'est là où j'ai tiré mon thème. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, les relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relève. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas facile. Waouh. Acclamons la parole du Seigneur. Pour ce pardon. Amen. Mais, vous pouvez peut-être vous poser la question, mais lire dans le livre de l'Ecclésiaste pour prêcher le jour du mariage, je n'ai jamais vu. Effectivement, je me suis inspiré de ce texte pour réfléchir avec vous, l'Assemblée, au sujet de ce thème que j'ai intitulé « Deux valent mieux qu'un ». Remets-moi le thème, s'il te plaît. « Deux valent mieux qu'un ». Celui qui a écrit ce livre s'appelle Salomon. Le roi Salomon. Vous le savez d'ailleurs aussi que moi, si bien que moi, le roi Salomon fut parmi le roi le plus sage. Non seulement de son époque, mais aussi de toute la terre. Parce que c'est Dieu qui lui a dit, je te donnerai la sagesse et les richesses plus qu'aucun homme. Jésus même, un jour, il a invoqué la richesse et la sagesse de Salomon. À part Jésus, personne n'a été et ne sera sage, aussi sage que Salomon. Et lui, durant son existence, il a écrit trois livrets. Le trois livres qu'il a écrit dans le trois temps différents. Le premier livre, il écrit pendant qu'il était jeune. Le titre de ce livre est Cantique des Cantiques. Quand vous lisez ce livre-là, vous trouvez qu'il s'agit d'un jeune homme qui se trouve après son adolescence et qui dégage, parle, libère des paroles d'amour. Voilà, merci maman. Donc, sagesse de Salomon, Ecclésiaste, dans sa jeunesse. Quand il a grandi, il a eu la maturité. Il devient un homme, il écrit Proverbe. Ça, c'est la sagesse d'un homme mûr. Aux alentours de 50, 60 ans. Quand il est devenu vieux, vers les 80, 90 ans, il écrit Ecclésiaste. Ça, c'est la sagesse de quelqu'un qui clôture sa vie. Il dit vanité des vanités, tout est vanité. J'ai mangé, j'ai eu des femmes, j'ai tout fait, mais j'ai compris que c'est la poursuite du vent.
personne ne peut poursuivre le vent et l'attraper. Donc voilà que cet homme maintenant, il nous écrit, après avoir eu beaucoup d'expérience sur quelque chose qu'il est en train de dégager comme sagesse, mes amis, deux valent mieux qu'un. Avant de commencer par deux valent mieux qu'un, Salomon nous parle de désavantages de la solitude. Répétez après moi. Les désavantages de la solitude. Les désavantages de la solitude. Ça dit être seul. Comment c'est pas bon? Le verset 8, je reprends. Il dit, tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. C'est pas bien d'être seul. Il faut avoir quelqu'un qui soit à côté. Pas deux personnes à côté. Une personne et une autre. Une personne qui lui tient de près. D'ailleurs, ici, Salomon ne parle même pas de la famille. Il n'a ni fils. Il n'a ni frère. Et pourtant, il est en train de travailler nuit et jour. Il ne dort pas. Il travaille le matin, la journée. Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Il amasse tellement de richesses. Et puis seulement finalement il pose la question, mais pour qui donc il travaille? Azo sala pour nana? Nanani, pour qui tu travailles? Eh bébé, banani on se va faire. Tous les enfants sont mariés. Tu es tout seul. Non, tu étais tout seul. Et tu forçais. C'était pour qui? À un certain moment, tu rentres dans la cuisine. Tu prépares le makoussa, mais tu dis tout ce makoussa, c'est pour qui? Pour qui je travaille? Il dit finalement, je prive mon âme de jouissance, c'est encore là une vanité. Ça dit, si je ne travaille pas pour quelqu'un, mon âme ne se réjouit pas. Écoutez-moi bien, l'homme est un animal social. Ça, c'est dans l'anthropologie. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme dans la société pour la communauté. C'est-à-dire, lorsqu'on est seul, 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 on risque de mourir. De mourir. Oui, c'est la dépression. Mais oui, bien sûr. Tu... Il dit ici. Mais mon âme va se réjouir par rapport à qui? Colombe à l'orbe d'un papa bichot, ils ont un nom à la aïe 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 aïe. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ah, un amen fort pour que j'avance. Un amen vivant. Amen. Pour qui je travaille donc? Et il dit, comme la solitude n'est pas bonne, donc, deux valent mieux qu'un. Donc, mieux vaut deux plutôt qu'un. Pourquoi? Il avance des arguments. Le premier argument de Salomon, c'est l'argument économique. Répétez après moi, l'argument économique. L'argument économique. Deuxième argument de Salomon, je l'ai ici, c'est l'argument social. Répétez après moi, argument social. Argument social. Troisième argument, c'est l'argument physique. Répétez, argument physique. Argument physique. Et quatrième argument spirituel. Quelle sagesse. Je reprends. Deux valent mieux qu'un. Premier argument économique. Deux valent mieux qu'un. Deuxième argument social. Deux valent mieux qu'un. Troisième argument physique. Deux valent mieux qu'un quatrième et dernier argument spirituel. Je commence. Donne-moi le verset 9. Argument économique. Mais c'est clair, parce qu'il retire un bon salaire. Couple qui est ici et qui m'écoute. Nous sommes dans le régime de la communauté des biens. Ça, c'est la Bible. Papa prend son salaire. Maman ne sait même pas combien papa gagne. Maman a son salaire. Dès que ça arrive là, papa, un grand dictateur, vient avec sa maison ici. Non. Gérer ensemble. Ici, la Bible dit, il retire un bon salaire de leur travail.
le démonstratif, le pronom pardonneur travaille, lit l'homme et la femme. Donc, maman, bébé, enfant, maman Guinée, hein, quand elle gagnait, c'était pour elle, ses besoins, ses enfants peut-être. Elle met des côtés. Papa aussi dans son boulot, Guinée, il met des côtés. Mais maintenant, frères et sœurs, maman, tu viens, tu mets là. Papa, tu viens, tu mets là. On a autant. Alors, subdivisons le tâche. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Je connais un couple chez moi en Belgique. La femme infirmière. En Belgique, les infirmières gagnent mieux. Hein. Le salaire des infirmières de la Belgique n'est pas celui des infirmières en France. Et la plupart des infirmières sont des Français. Donc, le salaire d'une infirmière là-bas, moi j'en avais 5 à l'église. La fin du mois, s'ils disent, papa va payer la dîme, tu viens le visage Ngebou Ngebou. Parce que tu sais que c'est moi ici, c'est terrible. Mais la femme dit à son mari, écoutez, toi tu es un fonctionnaire de l'État. Moi je gagne le double de toi. Alors je t'informe que mon salaire c'est à moi. Ton salaire aussi c'est à toi. Alors qu'est-ce que tu vas faire? On divise loyer, toutes les charges ensemble, le reste, hein, chacun. Et à un certain moment, elle vient chez moi et dit, papa, ton fils là, mon mari ne m'achète rien. Le mari dit, papa, dès que moi je garde mon salaire, quand on fait les divisions de tout ce qu'on va libérer comme charge, je n'ai plus rien. Maman, toi tu gagnes le double. Mais tu exiges que papa te paie. Il doit le faire parce que ce sont des devoirs. Mais avec quoi? Et alors que si vous mettiez ensemble votre salaire, vous pouvez dire, surtout les mamans, vous avez des difficultés à prendre votre salaire à dire papa, attends, les avana, ton génération. Est-ce qu'il y a des couples qui m'entendent ici? La division des biens n'est pas biblique. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront. Si vous êtes venus une seule chair, un seul cœur, une seule économie. Oui, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dès ce soir, rentrer à la maison, papa, maman, oyogi, toto, si papa et maman vous êtes là, vous m'écoutez, vous travaillez, vous deux. Il retire un bon salaire. Celui qui est seul aura l'image. J'ai une soeur chez moi à Bruxelles. Elle est seule avec 3 enfants. Elle est au chômage. Elle vient d'aménager dans un bel appartement. Mais le montant, le loyer, c'est combien? Presque 1000 euros. J'ai dit, ma fille, 1000 euros. Tu n'as pas quelqu'un. Tu es seul. Au chômage, et actuellement le chômage, quand vous perdurez, le montant baisse. Tu finiras comment, maman? Je lui dis, alors que s'il avait quelqu'un, donc un mari, carrément il faut dire qu'il y aurait de l'équilibre, n'est-ce pas? Parce que déjà le salaire d'une personne peut payer le loyer, et vous restez avec un tout petit peu, l'autre salaire, vous débrouillez avec pour nouer les deux bouts du mois. Il retire un bon salaire, c'est l'avantage. Mais donc, si vous êtes deux et que vous ne jouissez pas du salaire, des salaires de vous deux, faute. Deuxième, verset 10. Argument social. Car s'il tombe, nous sommes en société, la communauté, c'est le lieu où il y a l'entraide. Dites avec moi l'entraide. L'entraide. S'il tombe, il est au pluriel. Donc, parmi les deux, ou si tous les deux tombent, mais l'un s'il tombe, il précise, l'un relève son compagnon. Tu comprends? Mais malheur à celui qui est seul. Et qui tombe, il n'a pas quelqu'un qui pourrait le relever. Je ne souhaite pas. Et à l'époque, maman bébé vivait seule, pas une crise d'hypertension. Qui va appeler les pompiers? Personne. Mais maintenant, sur le plan social, tu as une aide. Tu as quelqu'un qui aura le premier numéro de ton téléphone et lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un souci, il est là pour qu'il vienne en aide à ta situation. Donc, lorsqu'on est deux, le secours est facilité. Lorsqu'on est deux, l'entraide est
chez moi. J'avais un couple chez moi. Moi, j'ai cette habitude. Quand j'entre dans l'église, je suis le papa. Le plusieurs. Quand je vois une maman bien habillée, je dis, oh maman, God bless you, aujourd'hui tu es bien habillée. Et maman dit, hé papa, merci. Moi, quand je lui donne des éloges comme ça, je le... Hein, en tant que fille, ma fille, son mari ne lui dit rien. Maintenant, quand il rentre, elle dit à son mari, tu vois, papa coûte. À mon égard, la taille bien. Mais yo, tous en aïe. On sort avec toi. Jamais tu me donnes des éloges. Quel genre de papa? Mais ne fût-ce que ça. La maman qui prépare, elle finit de préparer, tu goûtes, tu dis, maman, aujourd'hui c'était fantastique. Ça fait du bien aux maman, n'est-ce pas, les mamans? Mais toi, soupe, y'a qui tombe. Et ça, y'a ma belle, bouche belle. Qu'elle s'habille bien. À un certain moment, elle attaque quelqu'un, lui dit, oh, tu es belle. Silence radio. Goûtez, maman, belle. C'est pas un bon cœur. Hein. Ne dis pas, oh, non, quand on était jeunes, le mariage ne périt jamais. On définit le mariage comme étant l'union entre deux personnes de sexe différent. Ok?
et nous définissons la sexualité comme étant un rapport entre deux sexes dits différents. Mais ce n'est pas différent de la définition du mariage. Parce que ce qui me différencie, moi et ma femme, ce n'est pas la tête. Elle a la tête, j'ai la tête. Elle a les jambes, j'ai les jambes. Elle a les bras, j'ai les bras. Elle a les yeux, la bouche, j'ai tout ce qu'il y a. Mais la différence entre nous, c'est le sexe. Qui va avec tout ce qu'il y a, sein, etc. C'est ce qui définit la femme. Et moi, je suis défini aussi par ma sexualité. Alors, lorsqu'il y a un lien entre ces deux sexes, quand vous n'êtes pas marié, la Bible dit, vous consommez le mariage. Donc, vous ne pouvez pas vivre comme des mariés pendant que vous n'êtes pas marié. C'est pourquoi on interdit les rapports sexuels pour ceux-là qui ne se sont pas encore mariés. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Donc, ne fais pas ça. Si tu fais ça avec une personne, parce que la Bible dit, tu pèches contre toi-même, ton propre corps, tu pèches contre la personne avec qui tu as couché, tu as fait cet acte, en plus tu pèches contre Dieu. Triple péché, contre mon corps, contre la personne et contre Dieu. Donc, il faut rester dans le contexte où vous pouvez vivre cette chaleur, le contexte du mariage. Salomon dit, si vous êtes deux, vous pouvez jouir l'un et l'autre, l'une et l'autre, sans aucun problème, et trouver de la chaleur. Ici, ce n'est pas seulement la chaleur physique, mais c'est aussi la chaleur du cœur. C'est aussi la chaleur de pensée. Hier, quand je suis rentré, après que nous soyons partis au mariage civil, dès que je suis rentré, j'ai vu maman bébé, elle était en tenue relax. J'ai dit à maman, j'ai dit, ma boule de hier. Maman, j'ai dit, il y a Solomon, t'as une boule de hier. Makio. J'ai constaté que maman bébé d'avant et maman bébé de maintenant, il y a une chaleur. Amen. C'est automatique, mes amis. Vous êtes avec moi? C'est automatique. Elle n'a pas besoin de vous le dire. Amen. Vous n'avez qu'à la regarder et vous sentez. Amen. Amen. Comment on ne sera pas enfant? Bam, bam. Quatrième boucle, j'avais dit j'ai 20 minutes. Allons, c'est quatre. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul? Les deux peuvent lui. Ici, je mets ça sur le plan spirituel. C'est-à-dire dans le domaine du combat spirituel. La Bible, Jésus d'ailleurs l'a dit, hein, si deux personnes sur la terre s'accordent, Jésus n'a pas dit trois. Hein, et à ces deux personnes-là, commencez d'abord au mari et à la. Si vous vous accordez pour. Moi, je constate ça. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez maman, soit la migraine ou un peu mal au corps, il a besoin de la prière, il me dit, pourquoi tu peux prier pour moi? J'ai constaté, à chaque fois que je fais la prière, elle est guérie instantanément. Et finalement, elle me disait, vous avez donné des questions, mais des athées. Et ça va vous avez problème spirituel, nous avons expliqué à nous dire. Parce que toi et moi, nous sommes un seul corps, un seul esprit, il y a une puissance qui se dégage à moi et qui te guérit. De même. Moi, il y a des moments où je vais aller au séminaire. Moi, docteur Kama, que vous connaissez, dans Fouka Banabi, Tchanamambo, j'ai dit à ma femme, papa, faut ça là. Il y a une puissance qui dit, c'est un secret que les gens ne connaissent pas. Ma femme m'impose les mains. Il dit, Dieu, je communique une grâce. J'ai béni cet homme. J'ai béni son travail. J'ai béni son ministère. J'ai béni cet enseignement. Moukou, on a obtenu les besoins de ma Yoruba. Et j'ai constaté, Rachel, à chaque fois que tu m'imposes les mains, les cultes passent différemment que s'il n'y a pas de main. J'ai compris que dans le domaine spirituel, la femme est importante. Papa, vous qui êtes marié, vous qui êtes serviteur de Dieu, joignez la femme dans vos prières. Amen. Demandez leur prière, leur aide. C'est très important et c'est un grand secret. Amen. Amen. Les époux qui ne prient pas ensemble ne peuvent pas rester. Hein? Votre combat, ce n'est pas son combat, c'est votre combat. Maintenant, maman bébé, tu as plusieurs responsabilités. Non seulement tu dois soutenir ton mari, mais tu dois le soutenir en soutenant en même temps l'église. Donc tu tiens papa comme ça et tu tiens en même temps la vallée de Beraka comme ça. Donc tu seras la première à être critiquée. Tu seras la première à être injuriée. Que Dieu te donne ce gros cœur. Parce que tu es devenue la maman de plusieurs.
Amen. Si c'est impossible aux hommes, Dieu te rendra possible. Il est capable. Amen. 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 Donc, si il est faible, l'autre le suit. Ici, on parle de fort et de faible. La faiblesse de l'une doit être comblée par la force de l'autre. Soutenez-vous. Au moins, Mikolo, papa, ça va nous rappeler notre papa. Nous connaissons autant la Bible bien. Moi, il y a des moments où je viens prêcher pendant la zongi. Ma femme dit aujourd'hui, docteur, devant là, tu étais distrait. L'esprit te fait retourner. Elle a raison. Aujourd'hui, tu étais dit. Donc, elle m'observe plus que vous tous. Même dans l'OTA, sur la PIMI. Ici. Moi, je suis un théologien, elle n'est pas théologienne. Mais ton message, on s'est tellement habitué qu'elle me connaît et des fois, elle me fait retourner. Des fois, il me dit, aujourd'hui, tu as parlé trop de moi. Hein? Il y avait dans ta bouche que moi, attention, ça va t'amener à l'orgueil. Fais gaffe. J'ai dit, ah, maman, il aide. Maman, comment la papaté? Aza, aide la yo. Ton yo, ça aide la yo. Aidez-le. Tu vois des faiblesses, tu dis, papa, aujourd'hui, c'est des nettes, tu travailles trop, tu t'occupes moins des brebis. Parce que moi, j'étais trouvé pasteur. Occupez-vous des brebis. Rappelez-lui. Il y a des moments où moi, je suis fatigué. Hein. Je vous dis la vérité, je n'ai pas la capacité de prier. Mais ma femme s'est réveillée à 5 heures. On a la musique, elle a dit, maman, on est là. Au moins, il me l'a fait comme ça. Papa, voilà la carte de maman. Amen. Pour papa, parce que son premier intercesseur, c'est vous. Amen. 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 Avec la charge physique du travail qu'elle fait, qui est lourd, qui est pesant, soutenez-les. Et des fois, il faut voir, aïe, moi, mon néné, au lieu de Nicolo, bah, ma foute, appelle les Kimingi, bah, salade, yaya. Attends, surtout, n'attends plus, papa, dit mieux dans mon kéo. Moi, je les vis comme ça. Moi, je suis un Congo. Nous, les Bakongo, on a grandi dans les foufous. Oui. Maman, ben là, tu es foufou. Donc, sur les foufous, tu es auto-angolais. Si tu ne manges pas les foufous, là, on parle à moi, c'est mon soi. Il n'y a pas mon soi. A mes mères, il y a un rythme, il y a un os. Mon soi, il y a un petit. Au moins, il y a un os, il y a un vieux, il y a un pot. Parce que ma femme m'a dit c'est un bon régime pour toi. Et en mangeant un peu de riz, nga naza mouta, maman naza mounine, naza mouta, mounine ya vie, mais naza la quel fort, et avec l'aide de ma femme. Donc sur le plan d'aide physique, spirituel, tu vas l'aider. Sur le plan alimentaire, sur le plan soin physique, sur le plan soin moral, tu vas l'aider. De même, elle, il va t'aider. Mais attention, je vais conclure. Sur la deuxième partie du verset. Amen. Et la corde à trois fils ne seront Amen. Pas faciles. Amen. C'est là le secret. Amen. C'est quoi la corde à trois fils? Sur le plan physique, sur le plan électricité. Lorsqu'il y a passage du courant électrique, la fil, la corde pardon, a besoin de trois fils. Le premier fil qui a la charge positive, qu'on appelle le proton. Terme physique. La deuxième fille, elle a la charge négative. Les électrons, il y a un moins. Et le troisième fil, c'est le neutron. Parce qu'il est ni positif, ni négatif. Ni négatif. Il est neutre. Voici le positif. Voici le... Oh, yes. Et le neutre, c'est Jésus. Jésus, la corde à trois fils, là, ne va pas se rompre parce qu'il est soutenu par Jésus. Amen. Jésus dans votre Amen. Le principe physique dit deux corps qui ont la même charge se repoussent. Tandis que deux corps qui ont des charges différentes, positives et négatives, s'attirent. Donc il y a attraction entre le positif et le négatif. Mais au milieu de cette attraction, mettez Jésus. Amen. Amen. Voilà deux valeurs. Mieux qu'un. Autant dans ce verset, on en a pas verset, on en a pas. Bon, méditez en vous. Qui est béni ce matin? Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Alors maintenant, nous voulons passer.
Nous voulons passer à la bénédiction, à la cérémonie de la bénédiction. Donc j'invite la chorale de monter déjà. Mais avant cette bénédiction, Papa Gilles, Pasteur Gilles, je vais vous laisser ça. Désormais, tout mariage que vous allez bénir, n'oubliez pas ces documents. On appelle ça l'institution du mariage. C'est-à-dire qu'il faut lire ça avant la bénédiction du mariage. Rappeler comment ce mariage a été institué. Je veux lire l'institution du mariage. Écoutez bien et suivez. Le mariage est une institution divine. Il doit être indissoluble et inséparable. Il a en effet été voulu puis conçu, non par la volonté de la chair, ni du sang, mais par la volonté souveraine du Dieu Tout-Puissant qui en est le Créateur. C'est ainsi qu'en l'instituant, Dieu a usé de son autorité pour établir des lois susceptibles de gouverner à sa destinée. Ces principes fondamentaux du mariage nécessitent d'être connus par tous. Nous les trouvons inscrits dans la parole de Dieu. Écoutez ce que dit Moïse dans le livre de Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominer sur le poisson de la mer et les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule. Genèse chapitre 1, 26-28, chapitre 2, 18 à 24. Le prophète Malachi ajoute en disant, l'Éternel est témoin, Pasteur Gilles, entre toi et ta femme. Ici, c'est écrit la femme de ta jeunesse. Celle qui est ta compagne et la femme de ton alliance. C'est la femme de ton alliance. Prenez donc garde à votre esprit et ne sois pas infidèle à la femme de ta jeunesse, car je hais la répudiation. Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, prenez donc garde à votre esprit, ne soyez pas infidèles. Malachi 2, 14 à 16. Jésus renchérit en ces termes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Paul réitère la pensée du Christ dans ce sens. Il dit, femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Puis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux conclut en ces termes que le mariage
soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Notons pour terminer que toutes ces paroles qui viennent d'être prononcées constituent la volonté du Dieu souverain, le Créateur et l'instituteur du mariage, car elles caractérisent sa pensée globale sur son institution qui est le mariage. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le mariage. Amen. Je vais demander au parrain et à la marraine de s'approcher pour aider papa et maman de se lever. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît.